À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre « L'œil de verre », une histoire policière de René Guillot, et « Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures », avec Germaine Beaumont et Roger Régent. La nouvelle que vous allez pouvoir entendre ce soir est basée sur une plaisanterie dont les conséquences furent tragiques. Voici le fait divers qui a servi de point de départ à cette histoire. Quand un épouvantable accident ayant pour origine une plaisanterie sans malice a coûté la vie à un malheureux employé d'un établissement charbonnier du port de Caen, M. Michel Stavareski, 53 ans, celui-ci, en effet, était occupé à nettoyer l'intérieur d'un four à sécher lorsqu'un de ses camarades de travail, pour faire une farce à son compagnon, voulut mettre en marche un ventilateur. Mais il se trompa de manette et actionna la commande du chauffage du four. Horriblement brûlé, M. Stavareski a succombé, à peine admis à l'hôpital. Je rappelle que le gagnant de la brochure dédicacée est M. André Oberlé à Bordeaux-Bastide. On pourrait épiloguer à l'infini sur les plaisanteries qui ont mal tourné, les farces qui se sont terminées tragiquement, la liste en est innombrable et combien diverse. Plutôt, oublions, si vous le voulez bien, la réalité, la pénible réalité, et suivons l'imagination. Laissons-nous emporter par ses prestiges dans une aventure où, selon la règle du jeu éternel, l'amour et la mort se mêlent. L'imagination, en l'occurrence, est celle de René Guillot, et l'on sait que l'imagination de ce romancier est aussi généreuse que son cœur. Veuillez donc, s'il vous plaît, écouter de René Guillot « L'œil de verre ». Louis, voilà, patron. Je finis de ranger les paniers. Bon, c'est bon. Allez, hop, attrape les sacs en vitesse, allez. Et pour demain, patron? Ah oui, c'est vrai, avec cette première communion, hein, rien à faire pour fourner lundi. Eh ben, pas question, les clients sont prévenus, ils prendront leur pain pour deux jours, voilà. Alors, patron, je viens pour la deuxième fournée demain matin de bonne heure, hein. C'est ça. Puis demain soir, tu pourras aller danser tout ton sou au bal. À propos, dis donc, Louis... Oui. Ça serait pas la cadette des Chauvins, la Louise, là, qui t'intéresserait, toi? Oh, patron, hein? C'est sérieux, vous savez. Oh, ben, t'as raison, mon gars. Ces affaires-là, c'est toujours sérieux. T'as entendu? Oui. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était tout près. Juste dans le bois des Orgeries. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, patron? Comment veux-tu que je sache, moi? La pleine nuit est là, tout de suite. Là. C'est quand même pas une heure pour essayer un fusil. Ah, non. Il reste encore 3 semaines avant l'ouverture. Alors, si vous croyez que le père Firmin se gêne pour braconner... Braconner, il n'y a pas un lapin dans le bois. Puis c'était pas les coups de fusil, ça. J'appelais sec comme un feu. Comme un feu? Bah oui, quoi, un feu. Enfin, je veux dire, c'était pas un fusil de chasse. Oui, oui. Ah, c'est pas ordinaire, ça. C'était là, tout près, dans le bois. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un à la boutique? Mais oui, il y a quelqu'un. Je suis là, voyons. Ah, madame Chauvin. Vous n'avez donc pas entendu? Alors, je sais bien que c'est sourd ici, dans le fournis, mais tout de même. Ah, les coups de feu, vous voulez dire, les coups de fusil? Une vraie fusillade, oh, ouais. Juste dans notre bois. Figurez-vous que sur les 5 heures, j'étais sur le pas de ma porte quand les gendarmes sont passés à vélo. Les gendarmes? Oui, les gendarmes. Et je vous prie de croire qu'ils étaient pressés. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez que ça peut bien être? Oh, madame Chauvin, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Mais ce que je sais, moi, on se fait tout de suite des idées, je sais pas, une supposition, un gars qui aurait fait un mauvais coup, et puis... Allez, tout ça, c'est des imaginations. Hein. Bah oui, bien sûr. Enfin, il faut l'espérer. Oh. Et madame Robert, je vous ai pas demandé de ses nouvelles, comment ça va? Bah, vous savez, elle a traîné tout l'hiver. Oh, hein. Forcément, la pauvre, un malheur pareil. Elle ne s'en est pas encore remise, et vous non plus. Depuis que vous avez perdu votre petite fille, une si belle petite, votre Mariette. Non, si c'est pas terrible de voir partir des anges du bon Dieu comme ça, en une semaine. Oh. Ah, mais j'ai tort, j'aurais pas dû vous parler de ça. Vous avez raison, madame Chauvin, vaut mieux pas. Alors, ça sera 2 pains de 6 livres. Oui, s'il vous plaît. Et un petit michon. Dites donc, monsieur Robert. Oui. Oui, je sais bien que vous allez vous moquer de moi. Bon. Mais depuis que vous avez votre nouveau four électrique, m'est avis, et il n'y a pas que moi qui en ai fait la remarque, m'est avis que votre pain aurait, comme qui dirait, un goût. Un goût? Il n'est pas bon, mon pain? Oh. Ah, voilà 5 ans que je suis installé dans le pays, madame Chauvin. Et jamais personne, vous m'entendez, hein? Personne ne m'a encore fait un reproche pour mon pain. Oh, mais je ne vous fais pas de reproche. Ah, non, allez, merci. Hein. Et bonsoir, monsieur Robert. Bonsoir. Un goût. Au pain. Ah, à quelle heure est-ce qu'on va dîner, tiens? Si encore Clara avait fait la caisse, pas de danger. Bah, pour... Enfin. 1000, 2000, 2007, 2008. 2009. Qui est là? Qui est là? C'est moi! Marcel. Bah oui, quoi, Marcel? Tu vois, dans le fond, tu n'y croyais pas. Tu te disais, il ne viendra pas, il n'osera pas. Et me voilà. Oh, les vaches, ils t'ont salement touché. Hein. C'est à la main, hein? Ah, laisse, on verra plus tard, ce n'est rien. Ce qui presse, allez, vite, les contrevents. Tire les contrevents. Oui. Mais grouille-toi, donc, mon vieux! Là, ça va. On ne voit plus de la rue. Eh ben, qu'es-tu? Tiens-toi un peu, quoi. T'as fini de trembler comme ça? Mmh. J'en ai vert. Comme si on n'en avait pas vu d'autres, non? Allez, allez. À toi, il faut bien dire que tu as déjà eu le temps d'oublier. Tu t'es rangé des voitures, pas vrai? C'est vieux Robert. 5 ans, hein? 5 ans. C'est un bail. Écoute, Marcel... Pas le temps. Ils vont nous tomber dessus d'une minute à l'autre. Quand ils auront fini de battre le bois. Je ne sais pas comment j'ai réussi à les semer. Ils m'ont serré de près. Si encore il leur venait à l'idée de commencer à fouiller le bourg. C'est de ce côté-là qu'ils m'ont tiré, à 20 pas. Moi, j'ai fait un crochet par le ruisseau. Je m'étais repéré déjà. Ta maison et tout, depuis midi que je m'étais planqué dans le bois. Tu comprends? Non. Tu n'as jamais rien compris, c'est pas ta faute. Marcel! Ça va, hein? Alors, je t'explique pour que tu comprennes. Ce vieux Robert, va. Je devine l'effet que ça a dû te faire quand tu as décacheté ma lettre. Quelle tête, mon gars! Ah, il me semble que je t'entends ici lui dire à elle. Tout de même, Clara, tout de même, c'est pas juste. Alors écoute bien, Robert. Ce que moi, je vais te dire. Je te comprends. Oui, je te comprends. Tu as fait une fin, tu es tranquille, tu n'aimes pas les revenants, c'est logique. Je t'en veux même pas. Tu sais bien que tu as toujours été un peureux, un mou. Tais-toi. Alors voilà. Je n'étais pas venu en gâcheur, il faut que tu le saches. Alors pourquoi tu es là? C'est mes affaires. Quand je t'ai écrit parole d'homme, j'étais loin de me douter que j'avais déjà ces messieurs dans le dos et qui collaient. Je me donnais en douche une bonne semaine pour régler mes comptes, le temps de me garer, de m'en aller quelque part pour prendre des vacances. Ce matin, en sautant du train de Bordeaux, j'aurais pu m'annoncer chez toi en bourgeois, les mains dans les poches. J'ai mieux aimé attendre la nuit dans le bois pour que personne ne sache que j'étais passé chez Monsieur Robert. Parce qu'on doit te donner du monsieur Robert, gros comme le bras dans le patelin. Peut-être même que tu es conseiller municipal. Tout ce que j'en faisais, tu dois bien t'en douter, ce n'était pas à cause de toi. Mais je m'en fous. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne devinerais pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et peut-être sans aller chercher bien loin. Crois-moi, ce serait encore trop loin pour toi. Non, Robert, tu ne devinerais pas. Mais je vais te le dire, tu entends, mon salaud? Je vais te les dire. Non, mais bon Dieu, écoute. Quoi? Bah, sur la route, tu les entends? Les flics? Oh, si tu savais tout d'un coup comme je m'en fous. Mais bah, t'es cinglé, non? Allez, fais pas le mariole. T'as pas envie qu'ils viennent te cueillir ici, dis. Dis, c'est tout de même pas ce que tu veux. Bah, allez, vite, suis-moi. Par ici. Mais j'ai une planque où je te jure qu'ils auront pas idée d'aller te chercher.
Allez, viens, quoi, mais viens. Là-dessous? Oui, là-dessous, là. C'est toi qui as les jetons, hein, Robert? Allez, vite, bon Dieu, glisse-toi. Mais pousse-toi, bon Dieu, mais pousse-toi donc que je ferme. Voilà, 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 voilà. Oh, mais entrez, monsieur, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous n'avez pas vu passer un homme? Un homme? Ah non, non, j'ai pas quitté mon four. Ah bah c'était donc ça. Ah bah je comprends maintenant. Bah, oui, faut vous dire que j'ai été pas mal intrigué par ces coups de feu tout à l'heure dans le bois. Hein. Alors c'est vous qui avez tiré? Oui, je vous prie de croire que je l'ai manqué de peu l'individu. Quand il est tombé, j'ai bien cru qu'il avait son compte. Est-ce que vous êtes armé? Armé? Ah non, non, pourquoi? Pas de risque, les brigadiers. Vous pensez tout même pas que le gaillard va s'approcher des maisons pour se faire repérer, hein? Vous oubliez qu'il y a le marais, pour peu qu'il connaisse le pays. Oui, mais il ne connaît pas le pays. Et puis on sait jamais. En tout cas, voilà son signalement. Mm. Un grand beau gars, frisé, chandail bleu marine, col roulé, complet gris. Ah, il a un œil de verre qui le fait cligner de la paupière droite, comme un tic. Et dites, monsieur Robert, je voudrais vous demander, parce qu'il se fait tard... Bah, hein. Votre service, brigadier, si c'est possible. Vous avez une voiture. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous pousser jusqu'au bourg, chez le maire? Ça vous dérangerait pas trop? Pas du tout, voyons, pas du tout. Je vous demande une minute, hein, le temps de prévenir ma femme. Je reviens. Clara. Clara. Eh ben, pas trop tôt. Tu as préparé tes fournées? Robert. Robert, qu'est-ce que tu as? Bah, écoute, tais-toi. C'est Marcel. Quoi? Mais oui, Marcel est là. Où? Ah oui, fallait à tout prix que je le cache. Mais rien à craindre, je te dis, il n'y a rien à craindre. Mais les gendarmes arrivaient. Les gendarmes? Oui, oui quoi, les gendarmes. Mais du calme, je te dis. Ils ont bien failli l'avoir, tiens. Les coups de feu, tu sais, dans le bois. Ah, oh, c'était ça? Mais oui, c'était ça. On va pas te laisser aller, hein? Non, ça serait pas le moment. Non, écoute-moi. Ils sont à 100 lieues de se douter que Marcel se cache ici. Ils croient qu'il aura échappé par le marais. Non, mais c'est par là qu'ils le chercheront, mais pas avant demain. Alors? Bah, alors, ils ont laissé leur vélo au bourg. Le brigadier m'a demandé de les accompagner jusque-là avec ma camionnette. Alors, un saut et je reviens. Bon. Mais dès que j'aurai démarré, toi, hein, toi, tu vas au fournil et tu libères Marcel. Oui, oui, oui. Bon, alors je file. Robert. Hein? Quoi? Robert. Oui. Marcel et toi, vous avez parlé tous les deux? Non, pas eu le temps. Oh, tant mieux. Alors, il sait pas? Il sait pas quoi? Bah, il sait pas pour notre petite Mariette. Il sait pas que Mariette est morte. Non, 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 il sait pas. Bon. Allez, faut que je file, hein. Il pourrait s'inquiéter, les autres à côté. Allons, Clara, du cran, hein. T'entends? Oui, oui, oui. Du cran? Je n'y tenais plus. Attends, je vais t'aider. Clara. Embrasse-moi, Marcel. Clara. Viens, 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 assieds-toi là, à côté de moi. Oh. Oh, je savais bien, moi, que tu viendrais, Marcel. Non, non, ne dis rien, surtout rien. Des moments comme ça, vois-tu, ça vous paie de tout, de tout. Tu es là, tu passes. Tu n'as toujours fait que passer, toi, Marcel, sans t'arrêter. Tu sais, quand on était presque sûrs d'être heureux, tous deux, il fallait encore que tu t'en ailles. Mais, dis, cette fois, est-ce que tu sais seulement où tu vas? Non. Non, je ne sais pas. Mais loin, sûrement très loin. Je suis brûlé, Clara. Il faut que je m'efface pour de bon, si je peux. Tu sais bien que c'est mon lot. Je ne suis pas verni, on ne se refait pas, vois-tu. Je suis toujours plein de bonne volonté, je me dis assez, cette fois c'est bien fini, et puis... C'est plus fort que moi, je ne suis pas Robert, moi. Il faut que je me risque, et puis... Il y a toute ma vie derrière moi. C'est comme les vieilles freins qu'on a portés, on y est à l'aise, on se remet dedans. Tu as encore eu un coup dur? Plutôt. Ils sont toujours pour moi. Une sale affaire, mal en manche à Bordeaux, il y a juste un mois, ma sortie. Tu comprends? Ma sortie. Cinq ans que je venais de tirer. Et tu sais à cause de qui? C'est ça qu'il ne me pardonnera jamais, Robert. D'avoir pris tout le poids, de l'avoir affranchi. Je n'aurais eu qu'à ouvrir la bouche, tu entends? Un mot, il aurait payé sa part. Mais voilà, tu m'avais lâché, toi aussi, tu comprends? Alors. Marcel. Oh, ne parlons plus de ça. Je ne t'en veux pas.
Mais non, Clara, puisque je suis là. Mais écoute, Marcel, tu sais bien que ça n'est plus une vie, nous deux. Toujours trembler pour tout, toujours se cacher pour tout. Je sais, Clara, je sais. Avec moi, c'était plus une vie. Alors j'ai voulu te laisser libre. J'ai voulu que tu sois tranquille. C'est ça, tranquille. Et puis heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Oh non, ne pleure pas, Clara, ne pleure pas. Tu es belle, tu sais. Belle? C'est toi, Marcel, qui dis ça? Oui, tu es toujours aussi belle. Tu es à moi. Non, Marcel, non. Je ne suis plus à toi, à personne. Je ne suis plus à personne. Je ne suis plus à rien. Regarde-moi, va. Belle, tu dis. Usée, Marcel. Je suis usée. Clara. Usée, je te dis. Je suis plus une femme. Si j'étais encore une femme, Marcel. Mais là, maintenant que tu es revenu, que je te vois, que je devine qu'il nous reste peut-être encore une chance. Moins que rien, mais une chance. Dis, est-ce que tu crois que je te laisserai partir? Mais non, va. Je lâcherai tout. Oui, tout. C'est ça que ferait une femme. Je m'en irai avec toi, n'importe où. Mais je peux plus, Marcel. Je peux plus. J'ai trop souffert, je me suis minée. Tiens, pendant ces 5 ans que tu as fait, tu devines bien ce qu'a pu être ma vie. Et toi, Clara? Toi encore, tu avais la petite? La petite? Mariette. Tu as bien compris, Clara, que nous deux, ça ne serait jamais fini à cause de Mariette. Oh, je ne triche pas avec toi. Sans elle, vois-tu, je ne serais peut-être pas revenu. Mais j'ai voulu la revoir, tu comprends. Encore une fois avant de partir, parce que cette fois, de toute façon, on n'entendra plus parler de moi. Clara, qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas voulu te faire de peine. Je suis venu, et je vais peut-être être pris, parce que j'ai voulu embrasser la petite. Non. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Dis, Clara, il n'est rien arrivé à Mariette. Non. Ah, tu m'as fait peur. Parce que moi, je ne porte pas la chance. Alors parle, qu'est-ce qu'il y a? Rien, Marcel. Rien. L'émotion. Mais rien. Si tu savais comme la petite m'a donné du souci cet hiver. Ah. Une bronchite, et puis la scarlatine, coup sur coup. Ah oui. Mais maintenant, c'est fini, maintenant. Clara, où est sa chambre? Viens, amène-moi, sois tranquille, va, je ne la réveillerai pas. Attends, mais laisse-moi te dire, Marcel. Mais qu'est-ce qu'il va falloir encore que je craigne? Écoute. Robert, alors, tu sais, c'est pas qu'il soit plus méchant qu'un autre, mais avec cet enfant entre nous, qui n'est pas de lui... Je comprends. Jaloux. Jaloux, oui. Alors? Alors, j'ai été obligée de mettre la petite en pension à Morignac, chez les sœurs. Elle est très bien, là, tu sais. Puis c'est mieux comme ça. Chiant. Oh, si, si, c'est mieux. Pour les manières et tout, on en fera une demoiselle. Oh, ne pleure pas, Clara. Allons. Tu as bien fait. Mais oui, tu as bien fait. Dis, elle doit être grandette maintenant. Oui. Est-ce qu'elle te ressemble? C'est à moi qu'elle ressemblait quand elle était toute petite. Elle te ressemble toujours, Marcel. Écoute, c'est Robert qui rentre à la voiture. Il a été long, hein. Attends, on va parler tous les trois. Mais tu me promets, Marcel. Tu me promets de ne pas trop le chercher, hein. Tu sais comme il est. Ouais. Il est gras. Tu me promets, Marcel. Oui, là. Écoute, moi, je n'en peux plus. De nuit que je ne dors pas, ne serait-ce qu'une demi-heure, il faut que je me repose. T'as bien un coin de divan, par là? Oui, oui, à côté. Ça va, là? Là. Non, non, laisse. Laisse la lumière. Je peux plus dormir dans le noir.
Alors où il est? À côté, il se repose. Il n'en pouvait plus. Ah. Vous avez parlé? T'as pu en tirer quelque chose? Il est traqué, hein? Oui. Ah, j'ai compris qu'il devait avoir un sale coup sur les reins. C'est bien qu'il ait un corrigible, il faut toujours qu'il provoque la chance comme un roc et que j'apprends après toute sa vie. Ah, dit Clara, quand je pense comme on était tranquille. Parce qu'ici, on était tranquille. Et il arrive, et il vous tombe dessus, il vous fait entrer de force dans ses histoires, et toujours avec lui, tu peux être sûr que ça finit mal. On peut dire qu'il n'est pas de ceux qui se font oublier. Tais-toi. Que je me taise. Non, mais tu te rends pas compte. Mais si on le prend, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on le prenne. Mais on ira chercher plus loin que sa dernière affaire de Bordeaux. Oh, bon Dieu, tiens. Mais à toi, qu'est-ce qu'il a dit? Tu restes là comme une souche. Parle! Qu'est-ce qu'il veut? Sa part, hein? Vous auriez compris, ben. Sa part. Il veut sa part. Il a appris que j'avais bien fait mes affaires. Il a vu la maison, la boulangerie, toute l'installation. Il sait faire une addition. Ben. Il a compté tout ça en sac. Puis il s'est dit, le Robert, il les lâchera pour être tranquille. Non. Quoi non? Il va pas me faire croire que Monsieur Marcel... Est-ce que tu vas te taire? Oui, dis. Assez. Tu t'imagines que tout le monde te ressemble. Que tout le monde est comme toi. Gras. Ben ça, c'est bien un mot de lutte. Oui, hein. Parce qu'il te connaît, va. Tu as toujours tremblé. Tu as toujours laissé les autres prendre les risques. Et toi... Toi, tu as profité. Et même s'il venait chercher ce que tu lui dois, sa part, il l'a peut-être pas payé en 5 ans, non? Mais je dis pas ça. Tais-toi, oh. À moi de faire les comptes, maintenant. Écoute. Il te demande rien, tu entends? Rien. Il passe et il s'en va. Il était venu pour embrasser Mariette avant de disparaître. T'entendras plus jamais parler de lui. Si on réussit à le sortir de cette sale passe. Il lui reste pas une chance. Il y a toujours une chance. Ah, avec les femmes. Non, les femmes, les femmes. T'as justement, t'es un homme, toi. Eh ben, fais-le voir, c'est le moment. Tu vas aider Marcel, oui. D'abord parce que tu peux pas faire autrement. S'il est pris, c'est toi qui l'as dit. On va fouiller, on va éplucher tout, votre histoire de Rouen, brasser le linge sale. C'est ça que tu veux? Oh, ah, mon pauvre Robert. Faut toujours te faire peur pour que t'aies moins peur. Pour lui comme pour toi... Et pour toi aussi, peut-être. Moi? Oh, oh moi, je compte plus. Alors cherche, hein, trouve, n'importe quoi, mais trouve. Il n'est pas question de laisser tomber Marcel. Faut qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse? Oui, pour lui, il ne reste plus que l'étranger. Le Brésil, l'Argentine, ce que je sais. Réveille-le. T'as une idée? Ah, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Réveille-le. On va voir ça ensemble. Il n'y aurait pas un moment à perdre. Et puis ce soir, comme un fait exprès, c'est samedi, tiens. Il y a le maire et Blanda qui vont s'amener pour faire la partie de cartes. Allez, grouille! Va le réveiller! Je vais lui expliquer. Va, allez! Ah, tu dormais pas, toi? Donne-moi à boire n'importe quoi, je crève de soif. Marcel? Oui. Écoute, remets d'abord ton œil, là. Je sais pas ce que ça me fait quand je te vois le tripoter. Laisse-le tranquille. Bah, tu sais bien que j'ai jamais pu m'habituer à cet œil de verre. Jamais. Quand j'ai les nerfs qui bougent, ça me brûle, cette sacrée boule. J'ai envie de l'acheter par terre et de marcher dessus. Ah, fais pas ça. Donne. Quoi, qu'est-ce que tu veux en faire? Mais donne, je te dis. T'en as qu'un? Non, j'en ai encore un dans ma poche. Je peux d'ailleurs pas le supporter mieux que l'autre. Écoute, Marcel. Clara et moi... Pas de boniment, qu'est-ce que tu proposes? Laisse-moi causer, quoi. Tu vas me laisser ton œil de verre. N'importe lequel, moi, ça m'est égal, j'en ai l'emploi. Ce qu'il faut, c'est que tu t'effaces, pas de traces. Et que tu te sentes les coups des franges pour aller te refaire une vie ailleurs. D'accord? Je t'écoute. Ben, tu vas changer de nippe. On brûlera les vieilles, t'inquiète pas. Puis Clara va te donner un complet à moi. Ah, pas tout jeune. Un d'avant que j'ai forcé, puis ça ira. Et puis je vais t'emmener par la foussade. C'est plein bois comme ici. Et puis tout de suite après, tu tombes sur la prairie. Il y a des haies. Alors tu couperas tout droit jusqu'à la tranchée de la voie de chemin de fer, sur la butte. Alors je te conduirai jusque-là. C'est l'île d'Angoulême. L'omnibus passe à minuit. Tu me suis, oui? Bah, je t'écoute. La rampe est raide, alors le tortillard, il monte la rampe à pas d'homme. Alors tu pourras sauter dedans en marche. T'écoutes? Va toujours. Bon, à Morignac. T'as le train de nuit pour Nantes. Compris. Si je peux le prendre... Ah bah c'est la chance à courir. Moi, dès que je t'ai quitté, je reviens ici... Et je te supprime. Robert. Eh ben, je le supprime de la circulation. Allez. Comment ça? Le four. Le four? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est simple. Il suffit que demain, on trouve dans mon four un corps. Un corps brûlé à peu près du gabarit de Marcel. Je continue? Tu me dégoûtes, mais continue quand même. Eh ben, j'ai ce qu'il nous faut. Père Jacquenot. Il est de ta taille, fort, large, tout ça. On l'a mis à la fosse commune l'autre semaine. Ah non, pas ça. Quoi, pas ça, comme si t'avais le choix. Tu trouveras mieux, toi, pour disparaître sans laisser de traces, pour disparaître pour de bon? Fallait y penser. Clara, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je sais pas, moi. Ah, tu dis pas non, hein? Et toi, Marcel, t'es décidé? Bah alors, faut faire vite.
Allez, Clara, prépare-lui le costume, le chapeau, d'autres souliers, tout ça, allez. Ah, ce vieux Marcel, hein? T'avais cru que je te laisserais tomber. Eh ben, grâce à moi, tu l'auras jamais eu aussi belle, t'entends? Jamais! Parce que tu serais pas allé loin. Quand ils ont croché une fois, ils lâchent plus le morceau. Ils t'auraient eu fatalement au port, au bateau, à l'arrivée, partout. À l'usure, quoi. Tandis que là, plus de gaffe, plus de chien. Et j'apprends plus à tes trousses. Tu seras plus rien ni personne. On tire un trait sur Marcel. Tout est réglé. Fini. Barca, plus de Marcel. T'as compris? Je crois. Mais quand même, pour du sale boulot. Ouais, bah tu seras un homme libre. Plus de passé, plus de nom. Tu recommences à zéro. Ça vaut la peine, non? Oh, d'accord. Allez, on va passer au hangar, prendre une pelle, une pioche, puis la petite charrette à bras. Tu me donneras un petit coup de main. L'endroit, c'est tout près, sur la route à 200 mètres. On aura vite fait. Oui, mais quand le maire et le père Blandac vont arriver pour la blotte, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai pensé à ça aussi. Quand ça sera bien fini, au four, à côté, je ferai sonner mon klaxon. Tu comprends? Oui. Comme si je me garais sous le hangar. Oui. Alors toi, tu diras... Ah oui, au fait, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben, que t'avais une course à faire à Morignac. À la ville? Non. Non, tiens, voilà. Tu diras que j'ai voulu me débarrasser de ma tournée de l'Aubrade. Oui, à cause des communions de demain. Ah, voilà, bon. Ben voyons. Alors, on va pouvoir y aller. Tant tu voudras. Ah, dis donc, Clara, en attendant, quand le maire et Blandac seront arrivés, ben, verse-leur à boire, hein, ça leur fera passer le temps. Allez, Marcel, on y va. Allez, je passe devant. Ouais. Je te suis. Attends, Marcel. Tu m'embrasses pas? Tu m'en veux? Non. Dire que c'est ça, la vie, hein. Ben, nous, les femmes, tu vois, quand on la commence, la vie, combien de fois on se dit, oh, si j'étais un homme. Et puis quand on s'est fait un être rien qu'une femme, bah, c'est déjà trop tard. Mais toi, tu as l'avenir devant toi. Mais si, si. Allez, tu verras. Puis promets-moi que tu seras prudent, hein, que tu te garderas. Tu veux que je te promette de changer? Mais non, non, c'est pas ça que je veux dire. Écoute, toi, tu seras toujours Marcel. Mais Robert, lui, ben, il reste Robert. C'est toujours le sournois. Je sais, alors. Méfie-toi de Robert. Ah, tu es folle. Mais je te le dis, Marcel, méfie-toi de Robert. Allez, allez, va. Et bonne chance. Adieu, Clara. Adieu. Vous êtes nerveuse, Madame Robert. Mais pas du tout, Monsieur le maire. Oh, mais vous savez, j'ai l'habitude, hein. Toutes les fois que mon mari fait sa tournée à l'Aubrade, c'est la même chose. C'est le village des jolies filles. Pardon? Vous disiez? Madame Robert disait que l'Aubrade était le village des jolies filles. C'est vrai, ça. C'est curieux. Pas jalouse, Madame Robert? Oh, vous savez, monsieur le maire, je le connais, mon homme. Hein? Il en fait plus en parole qu'autrement. Il n'est pas le seul. Pardon? Vous disiez? Madame Robert disait que son mari s'attardait beaucoup. Ah. Et que depuis le temps qu'il est parti, elle commençait à s'impatienter. C'est vrai, ça. C'est curieux. En attendant, on aurait très bien pu faire un ou deux tours. À trois. C'est une bonne idée. Ah, ben, ça sera pas la peine. Tenez, tenez, voilà mon mari, je l'entends. Enfin. Oh, je commençais à me faire du souci. Tenez, prenez encore un gâteau, monsieur le maire. Oh, oh si, si, si. Puis un peu plus de vin blanc, monsieur Blanca. Hein? Un peu plus de vin blanc, monsieur Blandac. Oui. Allons. Vous n'allez pas vous faire prier. Ah, hein? Volontiers, allez, ça, il est fameux. Non, merci. Oh, mais c'est que nous avons déjà pas mal bu. Très, très copieusement, si, si. À votre santé, madame Robert. À la vôtre. Ah, à la bonne vôtre, patron. Vous voilà tout de même, vous. Ah, bah oui. Garde-moi un verre, Clara. Oui. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Oh, vous voyez quand tout s'en mêle. Hein. J'ai même pas pu faire ma tournée. Non, je rapporte tout mon pain. Ah, figurez-vous qu'aux grandes maisons, je crève deux fois dans la même soirée. Oh, non. Allez, à votre santé. À votre santé. Ah, et maintenant, on attaque. Hein. Clara, les cartes. Eh ben, où elle est partie? Passe le café. Ah. Robert. Oui. Je trouve pas la fine. C'est toi qui as dû la ranger. Ben oui, c'est moi. Attends, je viens, hein, excusez-moi. Bon, voyons. Alors, ça s'est bien passé, comme t'avais dit? Naturellement, comme j'avais dit. Ah, ça a été un peu long. Quel sale boulot. Hein. Alors, tu la trouves, la fine? Là, derrière les bouteilles de Pinot. Tiens, si j'en prenais une. Oh, comment tout ça va-t-il finir? Ah, t'inquiète donc pas. Fais-moi confiance. Marcel, il m'a bien fait confiance, lui. Ah, j'aime pas quand je te vois comme ça, écoute. T'es toute retournée, là. J'espère qu'ils n'ont rien remarqué, les deux autres à côté. T'as su te tenir, oui? Oui. Enfin, mais qu'est-ce que t'as? Mais dis, qu'est-ce que t'as? T'es là à me regarder, quoi. Ça y est.
C'est fait maintenant. Il n'y a plus à revenir. T'as pas flanché, non? Clara, mais qu'est-ce que tu t'es mis encore dans la tête, allons? On se connaît trop, Robert. Tu vois, hein? Tu vois que t'as deviné. Deviné quoi? À quoi j'ai pensé. Mais quoi? Oh, je suis folle. Oh, c'est le mot, ça. Mais il va falloir se calmer. Ou c'est bientôt à moi que tu vas faire peur. Clara, tu m'avais cru capable de... Oh, t'es si lâche. Clara. T'es capable de tout. Oh, pas de ça, non. Et pourtant, tiens, avoue que je l'avais belle, hein, pour une fois. Tous les atouts. Robert. Ah, je me payais de tout, d'un seul coup, là, de tout. Eh ben... Ben oui, oui, là, j'avoue, j'y avais pensé. Tu vois, je crains pas, hein. J'y ai pensé. Du vrai cinéma. Il aurait pas pesé lourd, va, ton Marcel. Un homme fini, il tenait plus debout, là. Ça pouvait être réglé tout de suite dans le chemin, bon, à 100 pas des maisons. Puis je revenais au fourni. Tais-toi. Regarde-moi, Clara. Regarde-moi bien. Et tout ça, ça m'aurait vengé de quoi? D'avoir eu des témoins toute ma chaîne de vie. Et quand on partageait après, quand on partageait pour n'importe quoi, de prendre ce qui me laissait, les restes. Robert. D'avoir compté comme rien pour les autres. Et puis pour toi. Surtout pour toi. Regarde-moi. Oh oui, t'as raison, on se connaît trop. Pourtant, on se connaît pas. Qui c'est qui t'a fait une vie, Clara? Dis, qu'est-ce qui a passé sur tout, qui a tout accepté sans rien dire? Content comme ça? Oui, content. Content quand même. Tu vois, je me fais pas plus fort que je suis. Un pauvre type. Je tenais à toi. J'ai tout fait pour te garder, moi. Pour essayer de te rendre heureuse. Dis que j'ai pas tout fait pour essayer de te rendre la vie heureuse. Malgré toi. Oh, pardonne-moi. Malgré toi, Clara. Oui. Allez, j'ai rien à te pardonner. On s'est pris comme on était. Trop tard pour qu'on change. Tu vois, j'ai vidé mon sac, là. Tout déballé. Et toi, t'es là, tu me regardes, là. T'as encore peur. Hein, vous, là? Oui. Ma pauvre Clara. Robert. Ah, allez, suffit maintenant, assez de messe basse. À côté, ils vont se demander ce qu'on complote ici. Allez, viens, viens. Oui. Vous comptez les points, monsieur Robert. Eh ben, il nous était rarement arrivé de si mal jouer. Pardon? Vous disiez? Je dis que Robert et moi, nous avons fait ce soir une fichue équipe. C'est vrai, ça, oui, c'est curieux. J'ai bien remarqué que monsieur Robert n'était pas au jeu. Ah, allons donc, on n'a pas eu de chance, c'est tout, quoi. On vous fait la revanche, hein? À qui te donner? À moi, à moi. Une petite fine, monsieur le maire. Ma foi, ça n'a jamais tué personne, hein? Oh non, 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 pas pour le père Blandac. Vous voyez bien qu'il a toutes les peines du monde à tenir ses cartes. Hein? Pardon? Vous disiez? 200 de valet. Écoutez. Vous avez entendu? Ah, cette fois, vous ne direz pas. Écoutez! Ben voyons, c'est dans le fourni, je vous assure, monsieur Robert, vous devriez aller y voir. T'as entendu quelque chose, Clara? Ah non. Ben moi, je suis certain que j'ai entendu du bruit. Ah, vous pensez encore à cet individu, monsieur le maire? Mais c'est vous à tout retourner, cette chasse à l'homme. Ah non, soyez tranquille, quoi. Le gaillard, il sera pas assez fou pour se hasarder près des maisons. Bah, à mon avis, il sera taillé par le marais. Puisque je vous affirme que j'ai entendu, tout de même. Bah, écoutez, s'il y a que ça pour vous rassurer, je vais jusqu'au four. Je vous accompagne. Oh non, pensez donc. Ouais, ouais. Quelle heureuse nature il a, votre mari, madame Robert. Ah non, 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 merci, plus de fil. C'est encore un problème. Oh, oh, bah écoutez, puisque vous insistez, mais alors la dernière, hein? Eh, oh, bah y avait personne. Mais personne du tout, voyons, j'en suis sûr. Allez, au travail, je vais avec qui maintenant? Nous sommes ensemble. Tiens, il entend clair maintenant. Eh, naturellement, j'ai entendu. Cette manie que tout le monde a de croire que je suis dur d'oreille. J'entends tout, moi, tout. C'est curieux, hein? Alors, vous n'avez rien trouvé dans le fourni, monsieur Robert?
Vous ne voyez pas que vous ayez surpris le lascar en train de se cacher dans votre four, hein? Dis donc, Clara, c'est toi qui avais laissé la porte ouverte? La porte du four? Ouais. Oh non. Non, bah d'ailleurs, aucune importance, je l'ai refermée. Puis j'ai branché le courant pour ma chauffe. À qui de faire? Et c'est à vous? Ah, chère madame, nous allons avoir à jouer serré, je vous avertis. Alors, annoncez. Et 10 de DR. Voyez-vous, madame Robert, si vous m'aviez fait couper sur son trèfle, vous le saviez tout de même qu'il coupait à trèfle, alors votre mari serait pas revenu avec cet as de carreau, ça changeait le jeu. Blandac s'est défaussé, le malin, tandis qu'en faisant couper trèfle... Hein, hein, on fait les comptes? Oh, ce sera vite fait. Oh, minuit passé. Déjà? Minuit? Vous êtes sûr? Mais il y a bientôt 2 heures que mon four chauffe, sacré tonnerre. Ben, nous allons vous laisser. Oh, écoutez, j'aurais jamais cru qu'il était si tard. Vous nous excuserez, madame, et vous aussi, Robert. Ouais. Je pense que vous allez avoir affaire avec ces veilles de fête. Oh, bah pour sûr, hein, ma journée va commencer tôt. J'ai 2 grosses fournées dans le pétrin. Je vais me coller à la première dès que vous allez être parti. Bah, c'est le métier qui rend. Hein. Ah, vous n'allez guère dormir cette nuit. Bah, un tout petit somme sur le matin entre les 2 fournées. Et si on vous donnait un petit coup de main, monsieur Robert? Non, vous plaisantez, là. Ben plaisantez, si. Ah, j'avais de la vie, voyons. Est-ce que vous pouvez faire d'essayer, passer avec moi au fournier? On videra le coup de l'étrier sur le pétrin. Allez, Clara, passe-moi mes savates. Tiens. Permettez, hein? Ah oui, on fait dedans. Puis mon foulard. Ah oui, un coup de froid sur la gorge, hein, c'est vite pris quand on passe une heure devant le four. Par ici, tenez. Et bonne nuit, madame Robert. Oui. Nous avons passé une excellente soirée. Oh, tout le plaisir était pour nous. Et merci du bon accueil. À samedi, hein? À samedi, madame Robert. Samedi. Attention, monsieur le maire, il y a 2 marches, hein? Ah, bon. Attention. Ah, le voilà dans ce fameux four électrique. Vous ne l'aviez pas encore vu, hein? Ah, bah c'est vrai que je l'ai fait installer que depuis 2 mois. Eh, ça doit vous économiser rudement de travail. Ah, bah dites, je pense bien. Quand il fallait charrier les brouettes de fagots, bourrer la javel, retirer la braisette et balayer, et puis tout, là. Tandis que maintenant, 2 boutons, là, comme vous voyez, le ventilateur et le branchement. Mm-hmm. Puis je vous dis qu'on a vivement fait une chose. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on a fait de plus moderne comme installation, hein? Mm-hmm. Avec cette électricité. Eh oui. Ah! À propos, oui. Imaginez-vous que la mère Chauvin me disait hier soir qu'avec cette nouvelle chauffe, elle trouvait un goût à mon pain. Oh, c'est étonné. On va remarquer qu'on lui pardonne. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle a fait 2 jolies filles. N'est-ce pas, monsieur le maire? Hein? Sacré maire. Oh, hein? Ben, alors, dites dans ce four, comment il s'ouvre? Ah, ben, par le levier, tout comme l'ancien. Attendez une minute, là, je branche ma baladeuse pour bien vous montrer l'intérieur. Attention, monsieur le maire, attention. Attention à ne pas vous brûler, hein? Là, doucement, là. Voilà. Permettez, attendez que j'éclaire. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous avez vu, c'est épouvantable. J'ai vu, oui. Oh, par exemple, ça, là. Oh, le pauvre gars. Il n'en reste plus grand-chose. Oh, tonnerre de tonnerre, regardez, là. Là, cet œil de verre. Quoi? Bah, son œil de verre. Hein, qu'est-ce qui avait raison? Vous êtes assez fichu de moi, je vous le disais bien, moi, que j'avais entendu quelque chose. C'était lui. Comment c'était lui? Ben lui, l'homme, quoi, le gars à l'œil de verre. Non, mais qu'est-ce qui a pu le pousser à s'approcher des maisons? On ne le saura jamais. Enfin, le fait est là. La deuxième fois, rappelez-vous, quand je vous ai forcé d'aller au fournier. Eh ben... Ben, il était déjà là, c'est évident. Il a entendu du bruit, il s'est affolé, ou se cacher pour pas être surpris. Alors, il a pensé au four. Il l'a ouvert, il s'y est glissé. Non, mais rappelez-vous, monsieur Robert, vous avez même demandé à votre dame, est-ce toi qui a laissé la porte du four ouverte? Ah, c'est vrai tout de même, oui. Oui, c'est vrai. C'est curieux. Et c'est vous qui l'avez refermé, monsieur Robert. Puis vous avez branché le courant. Oh, bon Dieu, tu vois. Ah, oui. Il a maintenant une affaire. Ça est beau étant repris de justice. Ah, vous n'allez pas le plaindre, non? Ah, enfin, tout de même, monsieur Blandac, tout de même, quoi, c'est un homme. On a flambé un homme. Bah, il faut que je rende compte, moi. Et puis tout de suite. Allez, vous m'accompagnez, Blandac. Hein? Oui. Je vais réveiller la buraliste, j'ai pas le choix. Je vais téléphoner à la gendarmerie. Bah oui, il faut que je téléphone tout de suite. Allez, venez, Blandac, oui, dépêchons, hein, dépêchons. Voilà. Mmh.
Ah, c'est vous, monsieur le maire? Oui, excusez-moi, mademoiselle Agnès, c'est pas une heure pour venir vous réveiller, mais il y a urgence. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous voilà tout bouleversé, monsieur le maire. Il y a de quoi, mademoiselle Agnès? Allez vite, il faut que je téléphone. Que faut-il demander? La gendarmerie à Marignane. La gendarmerie, tout de suite, monsieur le maire. Allô? Allô, Morignac? Allô? Elle ne me répond pas. Allô, allô, oui. Ah, voilà. Allô, mademoiselle. Donnez-moi, je vous prie, la gendarmerie à Morignac. Oui, la gendarmerie. Pour la cabine de Saint-Sever. Merci, j'attends. Allô? Voici, monsieur le maire. Merci. Allô? Allô? Ici le maire de Saint-Sever. Il s'est passé ici quelque chose de grave. Un crime, une sale affaire. Oui, c'est ça. Comment? Je vous entends très mal. Oui. Oui, oui, pas plus de 5 km par la route des Groix, en suivant la Charente. Bon, très bien entendu, je vous attends. Vous me trouverez à l'arcette des postes en face de l'église. Il y aura de la lumière. Bon, très bien. Ils vont venir, et avec un inspecteur. Oui, enfin, un inspecteur de Bordeaux qui était sur la piste. Par la route basse, ils seront là dans un quart d'heure. Si vous le permettez, mademoiselle, nous allons les attendre ici. Je vous en prie. Asseyez-vous donc, monsieur le maire. Alors, dites, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà. Hier soir, comme presque tous les samedis, monsieur Blandac et moi, nous étions allés faire une belote chez le boulanger. Je pense pas que tu vas me faire taire, non. Laisse-moi. Mais tu entends, laisse-moi. Oh, si tu te voyais. Tu as peur, dis. Tu crèves de peur maintenant que c'est fait, hein. Tu croyais bien avoir réussi ton coup. Mais arrête-toi donc de boire. Salaud. Faut-il que t'aies pensé que j'étais fini, hein. Pour t'imaginer que j'allais me taire. Que je t'aiderais encore à porter ça. Et moi qui ai failli te croire. Oui. Pour la première fois, tu prenais un risque, un gros, pour sauver Marcel. Oui, je t'ai cru. Et un peu plus, tu m'aurais fait honte de moi. Je dirais tout, tu entends tout. Tout, tout, pour qu'on sache qui tu es. Oh, tu voulais que Marcel disparaisse, pour de bon cette fois. Lâche. Et voilà, tiens. Tu vas voir comme je vais leur parler, moi. Ah, tu étais tranquille, toi, ici. Tranquille, mais hein. T'es folle, puisque je te jure que je l'ai sauvé, je te le jure, là. Et par ici. Par ici, là. Voilà le four, monsieur l'inspecteur. Ouais. Comme je vous le disais, il pouvait être 10h, 10h30, quand pour la deuxième fois, j'ai nettement entendu du bruit dans le fournis. Oh. C'était l'homme. Il ne savait plus où se terrer, il a trouvé le four ouvert, alors... Je vous en prie, monsieur le maire, un moment. Mais... Voulez-vous me l'ouvrir, ce four? Ben, vous pensez. Quand j'ai vu cet œil de verre qui s'en allait en miettes... Monsieur l'inspecteur, ouais. Écoutez-moi, je vais tout vous dire. C'est une vengeance, une sale vengeance. Comment? Du calme, je vous en prie, madame, du calme. Oh, laissez-moi parler, puisque je jure que je dirai tout. Clara! Oui, tout, tu entends tout. Écoutez-moi, monsieur l'inspecteur. C'est Robert. Vous entendez? C'est Robert qui a tué Marcel. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. C'est Robert qui a tué Marcel, lâchement, dans le dos. C'est sa manière, à lui, de régler ses comptes. Et à deux pas de la maison, dans le chemin droit. Après, il a brûlé le corps dans son four. Clara, t'es folle. Vous l'entendez? Oh, je suis folle, hein. Tu croyais pas que je serais capable de te donner? Oh, bien sûr, monsieur l'inspecteur, vous ne pouvez pas comprendre. Mais voilà, il fallait à tout prix... Vous entendez, il fallait à tout prix que Marcel disparaisse. Il devenait gênant, Marcel. Robert a toujours cru qu'un jour, il chercherait à le faire chanter. Alors, quand il a su que Marcel en avait fini de tirer ses 5 ans, qu'on l'avait libéré, il vivait plus, Robert. C'est pas vrai, peut-être, dis. Dis, c'est pas vrai, tu tremblais pour ta peau, pour ton argent, tu tremblais. Je commence à comprendre, oui. J'avoue que j'étais assez loin de me douter que... Alors, vous me croyez, monsieur l'inspecteur? Ça me paraît très clair. Oui. Ainsi, Robert, c'est pas par hasard que le dénommé Marcel passait au pays, hein? Vous vous connaissiez. Vous avez dû avoir quelques vieilles affaires ensemble. Il restait des comptes en retard. Non, mais enfin, monsieur l'inspecteur, tout ça, ça tient pas debout. Vous voyez bien qu'elle est folle, non? J'en ai pas l'impression. Et je suis sûr que je trouverai le moyen de vous rafraîchir la mémoire. Faites-moi confiance. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non. Il faudra... Parce que je ne vois que vous pour nous renseigner. Oui. Il faudrait que vous m'éclairiez sur la véritable identité de ce cadavre carbonisé. Et puisque je vous dis que c'est celui de Marcel... Non, madame. C'est très malin, la fausse piste de l'œil de verre. Mais ce cadavre ne peut pas être celui de Marcel, pour la bonne raison que le dénommé Marcel est à l'ombre.
Il y a à peu près 2 heures, j'ai eu la chance de l'arrêter d'une balle bien placée dans le mollet, sur le quai de la gare de Mauriac, juste au moment où le gaillard s'apprêtait à sauter dans le train de Nantes. Mais alors... Oh, Robert... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, Robert. Pardon. L'œil de verre, nouvelle policière de René Guillot, était interprétée par Jacques Dinham dans le rôle de Robert et Jacques Hilling dans le rôle de Marcel, avec Paul Fèvre, Gaëtan Jor, Guy Decomble, Florence Brière, Liliane Sorval, Jean Bolot, André Vasselet et Rosie Wart dans le rôle de Clara. Bruitage Gabriel de Rivage, assistant Jean Garetto. C'est une assez tragique histoire que vient de nous conter René Guillot. Et je veux rappeler au passage que l'œil de verre est un objet qui semble décidément inspirer les auteurs de récits policiers. Maurice Leblanc, entre autres, l'a utilisé, de façon très différente de René Guillot, dans une des plus célèbres aventures de son immortel Arsène Lupin, que l'on vient de rééditer récemment. Et il lui avait donné un bien joli nom, le bouchon de cristal. Et puisque nous venons de prononcer le nom d'Arsène Lupin, citons parmi les faits divers recueillis dans notre courrier, celui-ci, digne des exploits du fameux gentleman cambrioleur et qui nous a été adressé par Mademoiselle Colette Schwing à Paris. Un cambrioleur acrobate s'est introduit, après avoir escaladé la façade de l'immeuble et par une fenêtre ouverte, dans l'appartement du colonel américain Durille, au premier étage, 7 rue Anatole de la Forge, dans le quartier des Ternes. L'officier et sa femme dormaient. Après s'être emparé d'un coffret de bijoux et d'un sac à main, l'audacieux malfaiteur, passant dans le salon, n'hésita pas à éclairer la pièce pour faire son choix. Il fit main basse sur une somme de 18 000 francs, une broche et 4 colliers fantaisie. Madame Durille, s'étant réveillée, vit avec surprise un ray de lumière sous la porte du salon. Elle se leva, passa un peignoir et, entrant dans le salon, elle aperçut le cambrioleur en contemplation devant une de ces pendules qui marchent pendant 400 jours. Nullement gêné, le malfaiteur, quand il vit la femme de l'officier, lui dit « Quel dommage qu'elle soit trop lourde !» Prestement, il ouvrit la fenêtre et disparut. Madame Durille a déclaré que le voleur, âgé d'une 20aine d'années, est très brun et a le teint pâle. Il est grand, mince et élégamment vêtu. Il semble que nos aimables correspondants ne se contentent pas de passer au crible leur journal quotidien pour y découvrir des faits divers susceptibles d'être utilisés par nos auteurs. C'est ainsi que M. Paul Dory, à La Demi-Lune, dans le Rhône, nous envoie le fait divers suivant qu'il a découvert dans le journal du commerce de Lyon, datant, tenez-vous bien, du 27 juin 1827, un fait divers datant de plus de 125 ans. Voilà qui n'est pas mal. Et vous allez voir qu'il ne manque pas d'originalité. Le gardien de la ménagerie de Stuttgart vient de se rendre coupable d'un délit bien extraordinaire. C'est un tout jeune homme qui, poussé par un appétit désordonné, a tué l'un des 2 lions commis à sa garde et l'a salé pour en faire ses repas. On ne s'est aperçu du délit que lorsque la moitié du lion était déjà mangée. La cour souveraine de Stuttgart l'a condamné à 5 ans de prison et 3000 florins d'amende. Revenons dans un présent qui laisse bien augurer de l'avenir en citant, pour les amateurs de progrès scientifiques, cette petite nouvelle qui nous est adressée par Madame F. Fussari à Draguignan. Un guide magnétique remplacera les guides à casquettes au château de Langeais. Remplaçant les guides à casquettes, un système original de guidage automatique vient d'entrer en service au château de Langeais. Cette installation sonore et lumineuse est constituée par un véritable cerveau magique qui conduit automatiquement les visiteurs à travers les différentes pièces du château, dont le mobilier est mis en valeur par des jeux de lumière savamment combinés. Les éclairages ont été synchronisés avec des commentaires enregistrés, soit en français, soit en anglais,
sur des bandes magnétiques spéciales. Nous remercions particulièrement de leurs envois Mademoiselle Colette Labatte à Saint-Étienne, Monsieur Jean-Claude Pigeon à Villeurbanne, Mademoiselle Bruno à Paris, Monsieur Élie Guillaume à Paris, Monsieur Ernest Guissinger à Marseille et Monsieur Lucien Campeau à La Framboisière par Senonche, Eure-et-Loire. Je suis un peu gêné pour vous parler du fait divers qui a été retenu cette semaine en vue d'une émission ultérieure. En effet, j'avais été très touché depuis longtemps par un bon nombre de lettres d'auditeurs s'étonnant de ce que je n'écrive pas moi-même pour faits divers. Or, il se trouve que nous avons reçu récemment de M. Auguste Geusieck à Paris deux annonces parues simultanément, l'une au-dessous de l'autre, dans France Soir du 14 juillet, sous la rubrique « Avis personnel ». Les voici. Première annonce. « Reviens, veux-tu ?» Signé J.P. Deuxième annonce. « Jean-Paul, reviens immédiatement. » Tout est oublié, sans signature. Il ne s'agit pas de faits divers comme vous le demandez, nous écrit M. Geusieck, mais n'y a-t-il pas la matière à une émission? En effet, J.P. est-il ou n'est-il pas Jean-Paul? Cette question m'a vivement intrigué, et ma foi, je me propose, si vous le voulez bien, de tenter d'y donner une réponse sous la forme d'une histoire que je vais écrire pour vous. Petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures. Les livres lus par Germaine Beaumont. Il y a des romans dont le développement psychologique entoure si bien l'intrigue policière que l'on pourrait presque ne pas les qualifier de romans policiers. Et cependant, à les bien lire, on s'aperçoit qu'ils posent un problème criminel. Ce problème ne sera pas résolu par un détective privé et encore moins par la police, mais par tel ou tel personnage du roman, sans que pour cela l'intérêt faiblisse un seul instant. En fait, ces romans, lorsqu'ils sont bien construits, vous tiennent en suspens avec une telle habileté que c'est tout juste si on peut les abandonner avant de les avoir finis. J'ajouterai qu'ils prennent de jour en jour une importance plus grande et, sans doute, par ce moyen, s'adressent-ils à un public plus vaste. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que deux d'entre eux viennent d'être publiés, pour ainsi dire, simultanément. Ils sont l'œuvre d'un auteur encore inconnu en France, malgré son immense talent. Cet auteur se nomme Michael Gilbert. Et les deux ouvrages, dont l'un s'appelle « Le mort dans le tunnel » et l'autre « La crainte d'un faux pas », ont paru chez Julliard. S'ils s'apparentent par les mêmes qualités de style et d'intelligence, d'humour et de sensibilité, par les mêmes dons brillants d'imagination et d'observation, s'ils sont l'un et l'autre d'une actualité encore très proche de nous, ils sont néanmoins essentiellement différents comme cadre et comme sujet. C'est pourquoi je n'hésite pas à les citer côte à côte. Le mort dans le tunnel se passe en Italie, au moment où le régime fasciste s'effondre sous la poussée des premiers débarquements anglais. L'action se déroule précisément dans un camp de prisonniers anglais, tous officiers. Ils n'ont qu'un but, l'évasion. Et cette évasion, il pourrait la réussir en creusant un tunnel. Or, un jour, dans ce tunnel qu'ils ont commencé, ils trouvent le cadavre d'un des leurs, ou plus exactement, d'un grec naturalisé anglais, au sujet duquel ils ont eu des inquiétudes, n'étant pas sûrs qu'il ne fût pas un espion. Ce Coutoulès était-il vraiment un espion? Et s'il ne l'était pas, que fait son corps dans le tunnel? Qui l'a tué? Et comment a-t-il même connu l'existence du tunnel? L'auteur qui a été prisonnier en Italie et qui s'est évadé nous donne certainement dans ce récit dramatique une somme d'expériences vécues. Son second roman, « La crainte d'un faux pas », abrite sous ce titre plutôt mou et qui ne lui rend pas justice, une histoire de marché noir des plus fertiles en péripéties dramatiques et dont le principal personnage se trouve être un directeur d'école, homme des plus pacifiques, mais guidé dans la vie par un sens de justice et de générosité. Un hasard le place dangereusement au beau milieu d'une aventure qui ne lui deviendra vraiment compréhensible que lorsqu'il l'aura menée jusqu'au bout. Cette fois, nous ne sommes plus en Italie, mais à Londres, et un Londres particulièrement mystérieux. Cette fois encore, ce professeur plein de fantaisie et de courage et qui échappe aux pires dangers nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne.
je signale que ces deux romans sont très longs. Et je signale également que je les ai trouvés très courts. Les spectacles vus par Roger Régent. Nous n'aurons pas ce soir le plaisir de vous faire entendre notre excellent ami Roger Régent. Le Festival de Venise a-t-il bouleversé ses plans de vacances? Ou bien s'est-il méfié des pronostics de la météorologie? Je ne sais. Toujours est-il que Régent vient de nous quitter pour 3 semaines. Mais il n'a pas pour autant oublié ses fidèles auditeurs de faits divers et il nous a adressé à leur intention la chronique que voici. C'est un fait que la plupart des pièces, films ou romans policiers ne comportent plus aujourd'hui de mystères à éclaircir. On assiste généralement au crime ou bien on sait qui l'a commis. Et il ne s'agit plus de savoir qui va être pris, mais comment cet homme ou cette femme que nous connaissons va se faire prendre. L'intérêt s'est déplacé. Nous marchons sur une autre route. En un mot, les buts de guerre de l'auteur d'histoire policière ont changé. J'ai déjà dit que cette évolution n'est pas toujours approuvée dans le public. Nombreux sont ceux qui regrettent le bon vieux problème classique résolu seulement à la fin. Pour le cinéma, un auditeur me suggère que c'est peut-être la pratique du spectacle permanent qui est la cause de ce changement. Si l'on voit la fin du film avant le commencement, écrit mon correspondant, on ne peut plus prendre aucun intérêt à une histoire dénouée dans ses dernières scènes. C'est certain en effet, mais je ne crois pas qu'il faille rendre le spectacle permanent responsable de ce changement de technique chez les auteurs, car n'oublions pas que le permanent est pratiqué dans quelques salles de Paris et des grandes villes, mais que cela représente très peu de choses sur l'ensemble de l'exploitation. En outre, il est facile d'entrer au cinéma au début du film. On pourrait dire aussi que le lecteur impatient n'a qu'à lire les 10 dernières pages de son livre pour se trouver dans la même situation que le spectateur qui est entré au milieu du film. Non, c'est plutôt des raisons d'auteur, comme je le disais la semaine dernière, qui ont changé la vieille formule. En abattant ses cartes dès le début, l'auteur peut s'intéresser au personnage qui lui plaît le plus, c'est-à-dire dans la plupart des cas, l'assassin. En outre, et comme c'est très fréquent aujourd'hui, ce sont plutôt des bandes que des individus qui agissent. La nouvelle formule permet donc à l'auteur de montrer la bande par l'intérieur, de décrire son pittoresque et sa vie du dedans et non plus de l'extérieur, comme il lui faudrait le faire s'il devait maintenir jusqu'à la fin le blackout sur le nom du coupable. Quelles que soient les raisons, le fait est là. Il y a eu, certes, des histoires policières sans mystère tout à fait passionnantes. Mais je suis d'accord avec les auditeurs qui regrettent le bon vieux roman ou film policier avec son explosion finale. Rendez-nous, messieurs les auteurs, à un peu de mystère et de cette impatience à connaître le mot de l'énigme. C'était tout de même bien amusant de se demander pendant 1 heure et demie qui avait attaqué Mademoiselle Stangerson. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été écrite pour vous par Hélène Misserli. Elle se situe dans le cadre si attrayant de l'Espagne et elle est intitulée Madrigal en Castille. La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre L'œil de verre, une histoire policière de René Guillot, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Nous rappelons à nos auditeurs que le courrier concernant cette émission est adressé à Émission Faits divers, Radiodiffusion française,
107 rue de Grenelle, Paris 7e.